Bonjour, chers lectrices, chers lecteurs de Zagrider.com. Soyez les bienvenus dans le Vaucluse tempétueux et impétueux. Derrière moi, vous reconnaîtrez la rivière qui se nomme Louvèze. Nous sommes au sein de la ville de Bédarrides. Et juste derrière, vous l'apercevez, le pont romain, qui en a vu certainement d'autres, des inondations. Car oui, c'est un risque qui persiste dans le Vaucluse lorsque la pluie tombe et persiste. Nous avons enregistré pendant 3 jours l'équivalent d'un mois de précipitation que l'on peut enregistrer pendant les mois où les épisodes cévenols surviennent dans le département du Vaucluse. Il est tombé 75 mm d'eau sur la région du Vaucluse. Cette mesure a été effectuée dans la ville d'Altaine-Palu. Louvèze est certes boueuse, elle peut paraître menaçante, mais il n'y a absolument aucun danger. Étant donné que des travaux ont été entrepris de par le passé pour sécuriser ce cours d'eau et mettre à l'abri de toute éventuelle inondation la ville de Bédarrides qui se trouve juste derrière. Mes chers amis, chères lectrices, chers lecteurs de Zagrider.com, je vais me rentrer au chaud car vous le voyez, le Mistral se lève. La bonne nouvelle, c'est que les nuages sont en train de partir, mais par corollaire, il fait extrêmement froid car l'effet windchill, qui est lié à la vitesse du vent, ne fait qu'accentuer la sensation de froid que l'on ressent sur le bout de ses membres. Chères lectrices et chers lecteurs de Zagrider.com, merci de me suivre. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour l'ouverture du marché de Noël d'Altaine-et-Palu, qui sera adjugé sous des auspices plus ensoleillés, il faut le souhaiter. Bonne soirée à vous toutes et tous. Ciao, bye bye.